Parce que la France, elle ne peut pas rester figée. Si elle reste figée, elle va crever. Elle a besoin de bouger, elle a besoin de se remettre en question. Nous avons besoin de reconstruire un modèle français. Et après tout, ce n'est pas si dérangeant que ça d'aller regarder ce qui fonctionne bien à l'étranger pour essayer d'expliquer aux Français comment on pourrait mieux s'en sortir. La France, elle s'enferme au moment de la mondialisation. Elle s'enferme, elle essaye de se claquemurer derrière des impôts et des réglementations. Au contraire, elle a besoin de s'adapter au monde. Il faut l'expliquer naturellement aux Français qui vivent en métropole, mais il faut aussi le faire partager, et c'est plus facile, par les Français qui vivent à l'extérieur de France et qui voient que le monde a changé et qui pourraient bien nous aider à transformer notre pays pour le faire réussir. Pour l'instant, depuis 34 ans, ce sont le PS et la droite, l'UMP, qui ont alterné au pouvoir. Nous n'avons plus exercé le pouvoir depuis ces 34 années et on ne peut pas dire que la France s'en soit mieux portée. On va de mal en pis. Eh bien, il faut une nouvelle donne dans la vie politique française. On va essayer de la porter. Les élections présidentielles, c'est dans 2 ans. Donc moi, j'ai pris un engagement très simple avec l'ensemble des adhérents de l'UDI. Nous voulons porter nos idées à l'élection présidentielle. Nous choisirons au printemps 2016. Derrière qui nous le ferons? Moi, je crois qu'il y aura une alternance dans notre pays, à la fois départementale, comme on vient de le vivre, régionale et demain nationale, si l'opposition sait montrer sa diversité. Si on retourne à la situation d'avant 2012, où on fait semblant que tout le monde est pareil, on perd en l'occurrence de la force, on perd des voix, on perd les élections. Est-ce qu'on recommence comme avant? Est-ce que le seul message qu'on lance, c'est on recommence comme avant 2012? Ou est-ce qu'on fait autre chose et est-ce qu'on essaye de faire réussir la France?